C'est une petite échelle. Ça, c'est du verre émeraude. Donc, c'est vraiment pour faire quelques clairs verts. C'est tout. C'est un verre qu'on peut pas mélanger. Ensuite, j'ai du bleu outre-mer. J'ai du rouge anglais. En rouge, enfin, j'appelle ça du rouge anglais. C'est du rouge léger. Voilà. C'est un rouge léger. C'est très coloré. J'ai de la terre d'ombre brûlée, de la terre de sienne brûlée, du jaune de chrome, un jaune de cadmium, ça fera l'affaire, un jaune ocre, un jaune de Naples et du blanc. Les pinceaux sont les pinceaux Rosemary de la gamme Shiraz et j'utiliserai des plats et des bombés ou des langues de chat si vous préférez. Avant de vous laisser apprécier cette peinture, je voudrais vite faire revenir sur le jaune de Naples, qui est un jaune très 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 clair, et en fait j'utilise comme deuxième blanc. Alors parfois il est mieux d'utiliser quelque chose comme un jaune qu'un blanc, parce que le blanc nous laisse avec des couleurs très laiteuses et c'est pas forcément joli. Donc voilà, allez, je ferme la parenthèse et je vous laisse regarder. Alors comme vous le voyez peut-être, j'ai fait un croquis très léger au crayon sur donc le support à peindre. Et là je vais avec un mélange de bleu outre-mer et de terre de sienne brûlée ou de terre d'ombre brûlée, peu importe. Je vais me faire un petit mélange pour démarrer la peinture au niveau de l'arbre. Alors comme à l'habitude, je vais accélérer cette vidéo pour bien vous montrer un petit peu le gros de cette peinture. Si vous voulez la peinture en son entier, il va falloir aller sur Patreon. Comme je l'ai mentionné plus tôt, j'ai fait plusieurs tiers sur Patreon. Celui-ci fait partie du tiers impressionnisme et vous pouvez y adhérer à 10 euros par mois, 10 euros hors taxe. Ce qui est, je pense, à mon avis, très 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 bon tarif pour que bien plus d'entre vous puissent profiter et apprécier de peindre cette méthode, la méthode impressionnistique. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse découvrir le reste et puis à bientôt, soit sur Patreon, soit sur YouTube. Allez, bonne peinture!
Voilà. Alors ce sont ces jeux d'ombre et de lumière hein, que Seago arrivait à faire tellement bien. Je me suis rendu compte que j'ai perdu l'ombre ici aussi. Donc c'est ce jeu d'ombre et de lumière que Seago arrivait à faire si bien. Voilà. Allez. Eh bien, moi, je vais en rester là. Je vous souhaite une excellente peinture et je vous dis à très bientôt.